Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose deux exercices. Le premier pour faire monter l'énergie le matin. Le deuxième pour la faire redescendre le soir. Donc, on commence par le premier. Écartez vos pieds de la largeur de votre bassin. Pour cela, vous écartez vos pieds et vous ouvrez les talons. Décontractez vos genoux. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Décontractez la nuque. Rassemblez vos mains. Inspirez. Laissez monter les mains dans le centre du corps. Retournez les paumes vers le ciel. Poussez le ciel. En expirant, redescendez les bras par les côtés. Inspirez. Retournez les mains. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, l'énergie monte. Expire. Puis ramenez les mains au centre. Sur le bas du ventre. Donc ça, c'est un exercice pour le matin, pour réveiller l'énergie le matin. Maintenant, un exercice pour le soir, pour faire redescendre l'énergie pour la nuit. Donc toujours les deux pieds écartés de la largeur du bassin. On relâche ses genoux, on relâche le bassin, le bas du dos. On efface la cambrure, les épaules, les bras souples. Cette fois-ci, en inspirant, on laisse monter les bras par les côtés. Expirez, l'énergie redescend par le centre du corps. Accompagnez mentalement la descente. Inspirez. Expirez. L'énergie descend dans la profondeur du corps et du sol. Le corps s'enfonce dans le sol, dans les appuis. Inspirez. Expirez.
expirez. Puis terminez en plaçant les mains sur le bas du ventre. Donc cet exercice est très bon pour apaiser, pour un retour au calme le soir, pour se détendre. Ces exercices ont l'air très simples, très basiques. Ce qui est important, c'est de les pratiquer en conscience. C'est pas simplement lever les bras, c'est pendant que vous levez les bras, ressentir vraiment l'intérieur de vos bras. Ressentir l'articulation, ressentir leur chaleur, ressentir leur poids. Travailler sans force. Et surtout travailler en conscience. Conscience de votre respiration, de ce que vous ressentez. C'est une véritable connexion à vous-même. C'est un moment où vous êtes en face à face avec vous-même. Donc, pratiquez ces exercices le plus lentement possible, avec une intention réelle. Et cela va doubler leurs effets. Vous pouvez les répéter autant de fois que vous le souhaitez, tant que ça vous fait du bien.